Hi, I'm with Yui Newport. Yui, what do we expect this weekend from the GP class? Well, I'll tell you, you're going to get some exciting racing. Everybody's prime. Of course, this is our Super Bowl, you know, of racing in the Grand Prix class. And everybody's got new motors in, and Mark Theoret just got a motor from down in Louisiana. He's all ready, and we have our new motor in. I'm sure Brandon has his in. And so you're going to be surprised. There's going to be some very fast racing this weekend. Who can we expect to be in the final this weekend? Well, you know, a little prejudice, but of course, Bert, Brandon, Coppertone, Marty Wolf, Ken Brody, one of Randy English's boats. And then from there on, there's anybody's pick. So wish you luck with the team, and thank you for the everything you do for the Grand Prix. Well, thank you. Of course, you know, I love Grand Prix racing, and this is where it's at. And we're all going to have a good time and be safe and have some really nice racing. Thank you. Faire partie de la fête et on mentionnait qu'il serait présent. Donc, 4 courses sur les 8 au programme. Oui, Détroit qui revient pour la classe Grand Prix les 22-23 août. Oh! Moi, je pense qu'on a donné un bon petit plein régime ici. On fait un autre tour. Oh, c'est bon. Voilà la queue d'eau de l'aileron latéral. Ça sent bien. Là, c'est tout un virage. Des chutes Niagara en mouvement. Oui, monsieur. Le Bellagio de Las Vegas. Oh! Du poisson. Dans les 6 chiffres. Ah oui, en plus. Oh oui. Wow. Alors voilà pour Jimmy King. Alors King, à sa façon coutumière, part à l'extérieur, aime un grand point de corde. Alors voilà, là, c'est, on ouvre les gaz pour vrai pour King. Voyons voir maintenant comment il va réagir dans le virage. Ça passe bien. Oh, que c'est bien fait. Oui. Alors, pointe de vitesse. Pour mettre un terme à ses tours de chauffe. Voilà, plein gaz pour Langevin. Voyons au virage. Oh, c'est bien passé, ça, messieurs. Oui, ça regarde bien pour Langevin, le long shot. Rapide. Oui, oui, oh oui. Oh, ça prend. Alors, on ouvre la machine, là. On peut voir que c'est un peu plus difficile dans les virages que les bateaux qu'on a vus. Mais quand même une bonne vitesse en ligne droite. Ralenti quelque peu. Vous allez voir qu'il n'a pas froid aux yeux. Oh! Ça, c'est un des anciens Steelers. Très bonne embarcation. En plein gaz! Un son un peu différent, ouais. Parce qu'il s'agit du
Rev Limitator, est-ce que c'est un peu un appareil pour avoir le maximum, mais quand même. Hey! Il va à fond de train. Oh. Pas nerveux, le monsieur, pas nerveux. Bon, alors on va ouvrir la machine bientôt du côté de Mike Monahan. Et on y va plein gaz! Alors lui aussi semble avoir le limitateur de vitesse. Oups! Oh là là, ça... Oh, 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 oh. Non! Problème mécanique. Oh. Peut-être un problème de... L'alimentation d'essence qui fait que dans le virage, là, on s'est arrêté. Il y a maintenant le favori là, dans la classe. Alors voilà, on va y aller plein gaz pour Ken Brody. On ouvre les machines. Et plein gaz pour ces essais chronométrés. Attention au virage. Oui. Oh! C'est passé, ça de même mètre, mes amis. En ligne droite, Brody en feu. Deuxième virage. Faut surveiller. En ligne droite, j'ai très hâte d'avoir le temps, mais la vitesse. Il organise cette fin de semaine, je crois que c'est demain, un concours de sauce à spaghetti dans le camping des pilotes. 300$ en prix et des trophées. Ben voyons là. Oh oui. Regarde! Bien négocié le virage. Oui. On va voir le deuxième maintenant. Comment va-t-il réagir? Oh, que ça passe bien. Oh, que ça passe bien. Maintenant, vitesse de pointe. Oh. Oh. Pas très large pour le moment. Là. Et c'est parti! En bonne ligne droite pour Marty Wolf. Attention au virage. Et là, il m'a fait mentir. Je sais qu'il est très fiable au niveau de la mécanique et ça vient de s'arrêter. Et voilà, cette fois, ça y est. Donc, c'est rapide. Au virage maintenant. Deuxième virage. Déjà prêt là. Pour un premier tour.
est au max. Attention au virage. Ça va être rapide, ça, déjà. Oui. Ça va être très rapide. Macadoni veut faire deux tours. Il a fait 35,8 secondes. Aurait le sixième temps. 161,5 km/h. Il a frôlé la voie extérieure. Voilà, pour Bert Anderson, on ouvre la machine. Premier virage. Ouais, virage plus serré, là. Ah, en fait, ouais, tu vas coller la voie. Bon, ça peut être intéressant, ça. Dans le droit. Ouf! Ça va être très rapide. Voyons maintenant au deuxième virage. Comment il va négocier ça? Encore une fois serré. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh là là! Voilà, ça y est, ça va être son tour. À plein régime. Premier virage. Voyez comme ce bateau, comment négocie les virages, c'est incroyable. Mais ça va faire la différence, là, parce que au niveau des courses, là, c'est une autre paire de manches, carrément. À l'intérieur, serré. Oh, ça négocie bien. Oh. Un arc parfait. Ouais, 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 ouais. Et voilà, celui qui a la pole position, ben, voilà, Canadien, le plus rapide, 33,8 secondes, 160.